Bonjour à tous. Alors, sur cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir, pour les nouveaux, toujours ceux qui se lancent dans le surf numérique, qui ne connaissent pas, comment vous allez pouvoir tout simplement télécharger, et lancer une barre de surf. Bon, c'est pas compliqué. D'abord, il faut s'inscrire, on va prendre l'exemple de cette barre, on va s'inscrire sur un site de barre de surf. Bon, moi, j'y suis inscrit. Donc, on a gagné du temps. On se rend sur le site. Je me connecte sur mon compte. Vous allez simplement avoir l'opération à faire avant cela de vous y inscrire. Donc, tout simplement, quand vous arrivez sur le site, vous cliquez sur la menu de droite. Tout en haut, il y a une case inscription. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir à rentrer 3-4 petites informations comme votre mail, choisir un pseudo et un mot de passe. Valider. Vous recevez un mail sur votre messagerie. Vous cliquez sur un lien d'activation, hop, et vous revenez sur le site. Votre compte est activé tout simplement. Ensuite, dans la rubrique de gauche, vous allez aller la Z-bar, ici. Voilà. Vous avez un aperçu de la barre, il vous montre un aperçu. Téléchargez la Z-bar. On clique. Hop, voilà. Ouverture du fichier. Vous avez choisi d'ouvrir un setup X. Voulez-vous enregistrer ce fichier? Oui, je veux, bien sûr. À quoi ça servait? Les téléchargements sont terminés. Là, j'utilise Mozilla, hein, qui est beaucoup plus rapide. Voilà, et là, j'ai ma liste de téléchargements. Alors, ce que je fais toujours, c'est où je clique directement dessus, et la barre va se lancer automatiquement. Ou alors, je fais ouvrir le dossier contenant le fichier pour après le placer où je veux. Mais là, c'est pas nécessaire. Je vais ouvrir la barre. Voilà, autoriser le programme. Alors voilà, pour un premier lancement, il faut la configurer, sélectionner la langue. OK. Bienvenue dans l'installation. Voilà. Clic suivant. Va installer là, dans ce dossier. En général, si c'est préformaté, hein, ça vous l'installe sur le disque dur. Cliquez suivant. L'assistant va créer des raccourcis dans le dossier du menu démarrer. Oui, bien sûr. C'est plus pratique de l'avoir sur le bureau pour la démarrer. Créer une icône sur le bureau. C'était pour la barre de lancement rapide tout à l'heure. Suivant. Voilà. Installer, commencer l'installation. Hop, je clique. Voilà, hein, terminé. 3 secondes. 3 secondes chrono. On a la barre qui va apparaître ensuite. Il faut peut-être que je la lance d'abord pour qu'elle apparaisse. Donc voilà, j'ai téléchargé le fichier là-bas. Et j'ai créé le raccourci sur le bureau. Donc, ouvrir. Voilà, nouveau. Vérification. Voilà cette barre qui se lance. Alors, moi, j'en suis pas à ma première utilisation, puisque je suis bien sûr inscrit. Mais vous, on va vous demander, il y a une petite fenêtre qui va apparaître, tout d'abord, pour vous demander de rentrer votre mail et votre mot de passe. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous le faites une fois, c'est terminé. On ne vous demande plus, la barre se lancera. Comme celle-là, rapidement. Ensuite, vous avez 3 dimensions pour cette barre, 1 pour cette barre. Vous sélectionnez taille. Simple, comme elle est là. Double. Comme ceci. Ou alors, vous avez option géante. Voilà. Comme ceci. La différence, c'est le nombre de points, bien entendu. Au plus elle est grande, en mode géante, vous gagnez plus de points qu'en mode moyen ou petit. Évidemment. Pour ceux que ça gêne, hop, taille, simple, mais on gagne même point. Voilà, tout simplement pour télécharger. Sur tous les autres sites, c'est pareil, on télécharge une barre de surf aussi rapidement, hein, en deux trois mouvements et en quelques secondes à peine. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis, à bientôt sur une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.